Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien par ici. On se retrouve aujourd'hui en voix off dans ma salle de bain. Je vais vous présenter ma nouvelle routine skincare pour cet automne basée sur l'hydratation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acide hyaluronique. Je commence par mettre mon petit bandeau et on va commencer la routine par ma routine du matin. Et je commence par me nettoyer le visage avec ce savon nettoyant de la marque Unbottled qui est très très bien. J'aime pas trop les savons habituellement, mais celui-ci fait pas mal de mousse, il mousse très bien. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne laisse pas du tout la peau assécher après que je l'ai rincé avec de l'eau. Vous voyez, la mousse est quand même relativement onctueuse et c'est vraiment agréable. Quant à l'odeur, elle est très douce et je rince ensuite mon visage. Après avoir rincé, du coup, j'applique cette eau de soin hydratante, la marque Joae, que j'applique de façon assez généreuse. J'aime bien, elle est agréable. L'odeur est très fleurie, donc il faut aimer, mais bon, ça passe quand même. J'enlève mon bandeau. Et je passe maintenant à la routine. Donc je commence par ce sérum de chez Cloran à l'acide hyaluronique et au bleuet qui est un gel mais qui est quand même super hydratant. Ce que je trouve bizarre avec ce sérum, c'est qu'il a une odeur d'alcool alors qu'il n'en contient que très peu. Enfin, il est en dernier ingrédient. Mais ça s'estompe quand même relativement vite et il pénètre très rapidement. Je passe ensuite à ce contour de l'œil, toujours de chez Cloran, dans la même gamme au bleuet et à l'acide hyaluronique. Il a une petite bille et c'est vraiment très très agréable. En revanche, le produit a du mal à sortir du packaging, c'est pour ça que j'insiste autant sur mon contour de l'œil. Donc j'y vais généreusement sous mon contour de l'œil et sur ma paupière immobile. Et après, je vais faire pénétrer tout ça avec mes doigts. Là, je pense que vous voyez un petit peu que j'y suis pas allée de main morte. Mais il en faut quand même pas mal. Et après, il est très agréable à masser. Il pénètre relativement vite. Je le masse pour bien faire pénétrer. Et ensuite, je fais des petits tapotements pour un petit peu relancer la circulation sanguine. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de cernes. Et je trouve que cet anti-cerne a une sacrée efficacité sur la pigmentation. Je passe ensuite à la crème de jour qui est un gel crème toujours de la même gamme de chez Cloran. Comme vous voyez et comme le sérum, c'est un gel transparent que je viens masser dans mes mains. Et après, je l'applique sur mon visage jusqu'à ce qu'elle ait totalement pénétré et surtout j'oublie pas le cou et je fais des mouvements vers le haut pour pas tirer la peau vers le bas et du coup que bah, la peau s'affaisse tout simplement. C'est fini pour le matin et du coup on se retrouve le soir. C'est parti pour le soir, donc comme vous voyez je m'étais maquillée pour la journée tout simplement. Pour vous montrer quel démaquillant j'utilise actuellement, je remets mon bandeau qui m'agace. Je pense qu'il faut que j'en achète un autre parce que ce principe là de fer dans le truc là, je sais jamais comment le mettre. Mais bon. Du coup, j'utilise comme démaquillant le Take the Day Off en version charbon, au charbon, de chez Clinique. Qui est plutôt très efficace par rapport à la version classique que j'aime pas trop parce qu'elle fait un petit peu de grumeaux, je vous l'avais dit dans une vidéo produit terminé. Et celle-ci est beaucoup plus onctueuse, elle est plus crémeuse et c'est beaucoup plus agréable à travailler. Il en faut pas forcément beaucoup pour bien démaquiller le visage. Et là, c'est parti pour Halloween. C'est Halloween tous les soirs avec ce démaquillant. Et en peu de temps, il élimine tout le maquillage. Ce que je trouve un peu déroutant, c'est que de par sa couleur noire, on ne voit pas forcément comme tout autre démaquillant si le maquillage est bien parti. Là, j'ai émulsionné à l'eau et vous voyez, ça fait une teinte grise qui ressemble à une solution un petit peu lactée.
Donc je finis de me démaquiller, d'enlever tous les résidus de maquillage et surtout le mascara et le gel à sourcils. Et j'enchaîne avec ce nettoyant en poudre de chez Clorane qui est un nettoyant purifiant qui, au contact de l'eau, se transforme en une crème très légère et elle est assez facile à travailler sur le visage, mais pour autant elle disparaît assez vite. Donc soit je mets pas assez de poudre, mais si j'en mets trop, c'est beaucoup trop épais. Après avoir essuyé mon visage, je remets la brume hydratante de chez Joae et je passe à ma routine du soir avec l'huile au rétinol de chez Drunk Elephant. Il suffit de 4 gouttes seulement pour le visage. Soit vous l'appliquez telle quelle, soit vous pouvez la mélanger à votre crème hydratante, soit vous pouvez venir l'appliquer en fin de routine après votre sérum et votre crème pour sceller tout ce que vous avez pu mettre avant sur votre visage. Moi personnellement, je l'utilise toute seule parce qu'une huile me suffit largement pour le soir. Elle est amplement suffisante et suffisamment hydratante pour ma peau. Donc, je n'utilise que ça. Et en contour des yeux, j'utilise celui-ci, le multipeptide de chez The Ordinary, qui a une texture un petit peu huileuse, qui est vraiment très très intéressante et bien bien hydratante. Je la masse bien sur tout mon contour de l'œil. Vu que c'est une huile, on a le temps de la faire pénétrer, de travailler la texture. Et pareil, je fonctionne par petit tapotement jusqu'à ce que l'huile ait totalement pénétré dans mon contour de l'œil. J'en ai fini pour ma routine skincare pour cet automne. Habituellement, j'ai juste mon miroir lumineux pour faire ma routine du soir paisiblement et passer une bonne nuit. C'est comme ça que l'on va se quitter et je vous dis à très bientôt.